Et légèrement le cortex du côté tricolore. Right. On va voir les idées embrumées pendant quelques instants. 94 FM Stereo Radio Campus. On fait rentrer du 9 et avec le 14 pour les Français, peut-être qui va sortir. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Que s'est-il réellement passé là-dessus? Là il est bien. Là il est bien. Là il est encore bien. Là tout va bien, mais retombe. Là, retombe. Il est très bien. Mais il est où? Là il est. Oh oui, il a pris un coup de pompe, terrible. Oui, oui, l'arrière de la pompe. Oh, la pompe arrière. L'arrière, terre courage. Faites bombarder, Jackie. Il s'est fait bastonner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là? On sort un joueur australien? Non, celui-ci reste là. Non, lui reste. Non, ah voilà, d'accord. Lui reste. Oula. 8 à 3 pour les Français qui ont marqué un bel essai. Mais ce sont les Australiens qui ont le ballon. Tu es sûr? Oui, effectivement. Là, ils l'ont avec Grigou. Grigou qui peut la sortir. Il la donne, il la livre. On combine. Ça, c'est du passage à vide. Hein. Ouais, on s'est fait avoir. C'est du passage à vide, ça, Jacques. Ah, dans le camp français, ils sont dans les 22 mètres. Il est bien plaqué. Oh, bien vu. Poitrine de veau. Il faut se replacer, les gars. Il faut se remettre sur toute la largeur du terrain. Le premier ballon, il a fait le faire. Il le fait magnifiquement. Wow. Ouais, avec une sortie suppositoire par le français, là. Super, bah oui. J'allais dire quelque chose, mais j'ai failli le dire. Une éjection. Une éjaculation, je voyais mieux quand même pour symboliser l'ovule, l'ovale. Ah oui, le kill est 21h22. C'est encore valable. D'habitude, à cette heure-là, il n'en peut plus. Et on voit ce magnifique plaquage tout de même de Patrine de Vaux qui, regarde, qui le prend bien comme il faut. Beau plaquage, ça. Et ça vaut des thunes, c'est un plaquage. Ah oui, c'est plaqué or. Bon, ben les gars, alors. Voilà, sorti, c'est parti, Jean-Louis. Les Français. Non, les Australiens, c'est pas possible. Attention, il y a une superbe action. Plaquage de Boutsen, mais celui-ci se met en faute. Attention, il prend le coup. Intervention de personne, les Français sont à la défense, magnifique. Oh, c'est super. Une finale de Coupe du Monde, il faut pas péter les gars, parce que ça vite à jouer. Ok. 8 à 3. 8 à 3 pour la France qui, là, est championne du monde. Alors, au moment où je vous parle, il ne reste pas grand-chose. Il ne faut pas qu'il cède. Attention. 8 à 3. Aux combinaisons australiennes tout de même. Ils sont là, ils continuent de jouer, ils écartent de plus en plus. Beau plaquage tricolore, mais on commence à s'écarter de tous les côtés, on n'est plus. Oh yeah! On n'est plus homogène, Jacques, en défense. Des séquences de plus en plus longues. Oh, ça joue, bordel! Oh, wow, 8 à 3! S'ils ouvrent là-bas, non, ils peuvent pas, il n'y a plus personne non plus, ils sont tous concentrés dans 25 mètres. Oui, ça doit être ça, et qu'est-ce qu'ils se mettent? Allez, les gars. Intervention, ils vont prendre le ballon! Les Français qui piquent! Oh, what a damage! Yeah! Ça met 6 bras, je crois qu'ils vont prendre le ballon, non! Non! Greg. Grigou qui la donne à l'Australien, Skippy qui est bien arrêté par la défense française. On se place immédiatement, on vient pas au contact, c'est bien vu les gars. Come on, il faut le prendre, joli fait. Tension on the left and road. Oh ouais, it's good for you. Les Français qui peuvent contre-attaquer, s'ils remontent vite. Racame le rouge, belle montée française, bon plaquage. Yeah. Ils ont reculé d'une quinzaine de mètres les Australiens. Et là quand même, là il y va un peu fort l'autre. Mêlée signalée par monsieur qui est du papier. Quelle séquence de jeu très longue! Quelle défense française! Quel engagement australien! Quel rugby! Real rugby! France-Australie! Ah, quand ils jouent, vous avez moins le temps de déconner, hein! 8 à 3! Ah, 8 à 3! Ici au stade Vélodrome! Incroyable! Merci Jean-Louis pour ce ralenti. Mais il y a du blessé, ouais, ça laisse des traces, hein, des mouvements comme ça, Jacques, forcément. Là, tout le monde a un petit moment de répit, c'est vrai qu'ils ont donné beaucoup. Sinon, on s'en prenait un petit moment de répit. Un petit, aussi, un petit moment de répit. Ouais, ouais. Oui. Répit. Sans anabolisant, sans créatine, sans EPO, sans androlone. Sportase. Naturellement con. London Calling. Avec beaucoup de chance pour ce jingle. Ouais. Hein. Énorme, qu'il ait pu passer la sélection. Avec beaucoup de chance également pour les Français, puisque le ballon a été légèrement contré. Celui-ci se retrouve tout de même dans le camp australien avec lancé tricolore. Oui. Avec la MFG. Oui, vu dans ce sens-là, et de l'autre côté, c'est Générale Société. C'est ce que, normalement, on souhaite qu'elle devienne.
Oui, belle touche française, Tabasco, c'est superbe. Jacques, il va se passer quelque chose. Encore un plaquage bizarre un des peu, Australiens. Un peu, un peu dur sur le numéro 10. Français, Michoko, qui prend la balle pour ça. Et là, c'est bon. Oui, pas mal, tartinade. Encore un terrible coup. Qu'est-ce qu'ils distribuent les Australiens, dis donc. Ah, ils sont solides, hein. Ils sont, non, ils en sont réduits surtout à distribuer, parce que là, ils n'avaient rien foutre. C'est un acte d'impuissance, vous vouliez dire. Ah, absolument, à un moment donné, j'aime pouvoir parler comme ça. La un preuve, signe de faiblesse. Oui, ils font des conneries monstrueuses, ils font des énormes omités. Ce sont des êtres humains, ce ne sont pas que des machines physiques. Vous êtes champion du monde, vous êtes un con. Eh oui, Kiki, non, mais tu dois attendre que le ballon soit sorti pour te jeter sur l'adversaire. Hein, Justin, je te parle. Ouais. Ça y est, j'ai quand même j'ai mon morceau, là. Ça y est, je l'ai, je me tiens le tube. Alors, moi, est-ce que vous voulez le tripoter, peut-être? Ah oui, tiens, prends ça. Merci, Jackie. Hein, je crois savoir, hein, il a juste un peu modifié le son, mais la source, à mon avis... Il se mouche. C'est pas dit, ou alors il a le nez bien bas. Il est mouche. La montagne australienne... Oui, oh, bah, écoute, ça culmine à combien, là-bas? Non, bon, ça... Tiens. Au niveau de la mer. Ça doit être combien ? Qu'est-ce qu'il nous raconte, la montagne australienne ? Mais t'as pas vu les Pyrénées, ton cas ? Oh, quoi ? Une pénalité pour l'équipe de France. Et cette fois-ci, Michoko a laissé sa place. C'est Trouille qui s'y colle. Comme vous voulez. C'est Trouille qui s'y colle. 36 mètres 2. Pénalité pour l'équipe de France. À 12 degrés sur la gauche. C'est bien frappé, c'est joliment exécuté, c'est dedans, c'est goal, go, 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 go. La 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 la. 3 points. 11 à 3 maintenant, 11 à 3, tu vois. Je le vois. Tu vois. 11 à 3. Remise en jeu donc les Français, devant. Et on va être dit, tu vois. 11 à 3. Magnifique, la France est superbe dans cette première partie de finale de Coupe du Monde, je vous le rappelle, donc. C'est extraordinaire, les Français sont pour l'instant champions du monde! Chiez pas dessus, à qui on a entendu? 37 minutes de jeu, qui récupérera cette balle? Ce sont visiblement les Australiens, non? On se jette dessus, oui! Oh! Tabasco magnifique, immense, somptueux, magistral! Ouais, avec un coup de pied pour maintenir les Australiens très loin dans leur camp, c'est possible, mais elle est directe, cette balle. Alors là, direct, ce match. Michoko fait le con, là. Hein. Non, c'est pas du TF1, là, c'est bien en direct, là. Là, non, Jacques, c'est du bon, hein. Là, cette fois-ci, y a pas. Merde! Ah ouais, suppose qu'on tente. Et Nunes. Non, il chie son dégagement, bien sûr. Il met son équipe en danger alors que celle-ci était en train de progresser. Ce qui nous a bien sûr obligé à combiner différemment derrière pour ensuite récupérer les ballons difficilement et pouvoir contre-attaquer, merde. Alors, c'est un morceau de DJ Papa Rambord d'ailleurs. Le ballon est monté par les Australiens qui pénètrent dans les 22 mètres tricolores. Voilà de l'inquiétude. Vous en vouliez de la trouille, vous en vouliez de la peur, vous allez en avoir. Les Wallabies arrivent. C'est Wallabies bizarre. Vous avez dit Wallabies ? Attention, sortie Grigou, mais on joue petit côté, une fois de plus, du côté australien. C'est assez curieux, on a peur de la contre-attaque française. Oh oui, je comprends pourquoi. Ça canard à la gauche. Ah ouais. Grigou. Racame le rouge qui croise une fois de plus. Mais cette fois-ci, ils ont perdu la balle. Perdu le ballon. Il ne faut pas faire pareil du côté français. Toi, il faut te tirer le numéro 2, sinon tu vas te faire. Non, stop, arrête-toi. Là, on ne sait pas non plus. Hein. Il est chaud, Kiki, parce qu'il a dû distribuer de la cramponnade. Arrêtez, les enfants, arrêtez, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes où, Jacques? Toutes les merdes. Je suis un parc d'animaux. Je suis attaqué par là. Jackie, essayez de vous sortir de ce merdier, là, hein. Non, restez ici. Oui, alors qu'on discute, oui, parce que je sais que Jackie est coincé. Non, c'est pas vrai. Si, c'est Jackie. Si, non, c'est. N'est pas possible. Monsieur, j'ai du papier avec un superbe accent anglais, hein. Jacques. Ils sont là, ils sont tous là, ils sont tous magnifiques. Nous approchons de la mi-temps et la France mène. 11-3. Ce qui veut dire au-delà des chiffres. Elle n'a pas concédé beaucoup de pénalités, Jacques. Elle jouait très serré, oui. Très concentré. Sérieuse, disciplinée. Oui, c'est vrai. Volontaire, la joie engendrée par cette formation me... Oh, le mauvais dégagement pourri. Oh, le dégagement de merde. Oui, ça pardonne. Oh, ça pardonnera pas, ça. Ça pourrait leur payer et leur coûter cher. Faudra payer quand même, quoi. Oh là là, le coup de pompe terrible donné par je sais pas qui à Grigou. Oh, c'est affreux ce qui s'est passé. Quand même, double plaquage. La France monte dans ses propres 22.
Elle démonte maintenant, le ballon sortira-t-il, ça devient virulent et c'est Boutsen qui l'a confisqué, c'est la bonne contre-attaque. Oui, avec José Arthur. Pourquoi ils y vont pas en contre-attaque là? Pourquoi pas? Allez les gars, c'est la course. C'est le Grand Prix de Formule 1. Devant. C'est parti. Dégagement, Jean-Louis serre un peu le plan. Et c'est un dégagement australien petit, léger, qui finira en touche minablement. Et la France va récupérer la balle, à moins que le monsieur J'ai du papier siffle à la mi-temps. C'est possible. Non, pas encore, il y a du taré de jeu. Attention, touche pour la France. C'est bon ça, Jacques, touche pour la France. Ouais, bon, on a déjà dépassé le taré de jeu. Hein. Oui, non, mais c'est bon ça. Écoute. Je vois flou, mais quand même. Oui, non, mais c'est bon ça. Yeah. Touche pour les Français sur les 22 mètres australiens. S'il marque est là. Ah, s'il marque est là. Ah, tu sais s'il marque est là. Je crois. 11 à 3. Touche, Stratocaster va la faire. Pour les Français, suspense d'enfer. Elle est petite, elle est courte, elle est rapide, elle est bien. Elle est tout en oui, en force. Bon, c'est bien, c'est joué, oui, tout en force. Mal, c'est magnifique. Les gars, ouais. Tactiquement, c'est très bien joué. Ils n'ont pas pris le risque de faire une longue touche. Voilà. Pour ne pas perdre la balle, mais il progresse. Attention, le dépliage. Faites comme si vous n'aviez plus le ballon. Carthus aura-t-il le ballon. Intervention, pénalité, l'arbitre, pénalité pour le France. Pour le France. Pour le France. Car les Australiens sont susceptibles d'avoir écroulé le môle. Ah. Qui progressait, qui pénétrait jusqu'à l'essai. C'est bien ou c'est molle? Pénalité! Pour l'équipe de France qui mène déjà 11-3, si elle était réussie, cela nous écarterait davantage du danger australien, c'est bien. Mais il est exactement 9h30. Bonsoir. 25 people of them. Eh bien, nous allons trier pour que le buteur français réussisse. Trions, mes frères. Trions, alors. Trions. C'est sur vous qu'elle dit, hein, Jean-Guy. Attention, donc. Applique-toi, Guigui. C'est Trouille qui s'y colle. Et ce n'est pas une contrepétrie, hein, Trouille qui s'y colle. Ça faillit 33-9. Regardez bien. Regardez bien, Jacques, c'est bon. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Cette musique, tout est bon. Oh là là. Oh là là. Oui, c'est bon, c'est bon. Hein. Oh, non. Oh, quelle frappe. Ça bute. Ah. La France manque des buteurs. Pas que la France, finalement, les deux équipes. Il est exactement buteur. Mais c'est vrai que finalement, nous n'aimons pas le but, le coup de pied à trois points. C'est comme le pénalty, hein, un peu au foot. C'est sale, c'est pas très bon. C'est vrai que c'est pas aussi joli que le loudrop. Pas très franc. Loudrop, par contre, loudrop, c'est vivant, c'est actif. Bien. Prise française, magnifique, avec Tabasco. Cette fois-ci, ils ont évité que les tricolores puissent progresser. Et on ouvre. Messieurs, s'il vous plaît, ce serait le moment de faire quelque chose. Et pourquoi pas de tenter un beau, un grand, un magistral coup. Quoi? Un truc, une ouverture. 22 mètres. Ça me paraît possible. Oui, dans les 22 mètres. Ça va mal, au niveau du buteur français, les gars, ça. Il y a quelque chose. Je ne sais pas s'ils ont fait rentrer des anciens footballeurs, mais cette fois-ci, c'est le merdier. Grigou. Allô? Allô? Oui. C'est à vous. Allô? On vous écoute. Vous nous entendez? Allô? Oui, vous nous entendez? Allô? Nous entendez-vous? Il y a quelqu'un? Allô? Vous m'entendez? Absolument! Allô? À fond! Je vais refaire le numéro parce que je vous entends vaguement. Très bien! Qu'est-ce que tu veux dire, Jacques? Je ne sais pas. Mais c'est le téléphone qui déconne ou... Oh, sûrement. Visiblement, c'est la mi-temps, les gars, hein, sur ce allô. Ah, mais c'était pour nous dire que c'était la mi-temps. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Et les Français courent beaucoup plus quand il faut aller au vestiaire, quand même, que quand il faut aller marquer un essai. Je suis au regret de vous le dire. Merci, Jacques. On le voit là, ils sont pressés d'y aller, hein. Ils craignent l'ambiance marseillaise. Ah, il y a deux appels, hein, dans le stade et dans le... Alors, écoutez, ça joue pour l'instant, je sais qu'il y a un coup de téléphone, alors on va essayer de réparer la ligne téléphonique pour que le studio Radio Campus soit connecté et que l'auditrice puisse parler légèrement et tranquillement, sans qu'il y ait de brouille téléphonique avec la friture ou je sais pas quelle autre merde qui coince à Radio Campus. C'est super, merci. Allô? Allô? Ah, tu le fais exprès? Tu le fais exprès? C'est juste blague. Hein. Tu nous entends? Vous m'entendez? Ah, à fond, oui. Et toi? Non, visiblement, elle, non. Hein, non, ça ne marche pas. Ne marche pas. Ça le blague. Hein. Ça fait rire les techniciens de France Télécom que vous avez à l'écran. On fait ce qu'on peut. Écoutez, on va les réparer ça rapidement. Elle se retrouve dès que la liaison téléphonique est opérationnelle. Vous composez le 05 61 21 64 05 et là normalement vous tombez sur Radio Campus. Alors, dès que c'est réparé, vous allez voir, ça marche bien le téléphone. Humour, dis-moi.
il a constamment été vu aux avant-postes. Il a un petit peu craqué, car souvenez-vous de Rai. Et il a un petit peu craqué. Et dis donc, Jacques 11-3, ça t'inspire quoi? Comme c'est la mi-temps, la France est championne du monde pour l'instant. Oui. À mi-temps. Juste là, j'ai juste 10 minutes. Hein. Vous partagez. On n'a rien à faire gagner, pas de place de concert, pas non, de t-shirt. Non, on essaie de faire gagner l'équipe de France ce soir, vous l'aviez tous compris. Merci. On se sportage 4-5-5. Je vous reçois. Il a constamment été vu aux avant-postes, il a un petit peu craqué, car souvenez-vous de Rai. Et toujours pas réparé. Radio Campus, le seul numéro qui finit comme il commence, mais ce soir. Exceptionnellement, il ne démarrera pas. Il lui faut un parcours à l'économie? Absolument. Bourse FM. Allô? Mais c'est pas une obligation pour le chant. Mais c'est préférable. Okay. Oh oui, c'est préférable. Yeah. 11-3, c'est pas mal les gars, 11-3 quand même. Bon bah, j'ai du papier. Après les matchs, ça discutaille et ferme au commerce. Écoutez, par les chemins, j'ai pas vu la première mi-temps du match parce que j'étais invité par des amis au restaurant, j'ai été bouffer une lotte, en même temps j'ai pris des asperges, et là je suis allé pisser, et ça pue vraiment les asperges, quand on va pisser c'est étonnant. Ça va redémarrer les gars. Excusez-moi, j'ai gerbé. T'es naze, Jackie, on vous l'a dit. Attention. Attention, les Australiens reviennent. J'aurais préféré qu'ils soient pas là en deuxième mi-temps, parce qu'au moins on aurait pu marquer. Naze. Et les Français se soudent, se regroupent, se parlent, s'aiment, se touchent. Ah oui, ça, ils vont donner du ballon et de... Il se passe quelque chose, Jacques, dans cette équipe, il se passe quelque chose autour de cette équipe de France. Oui, se passe le ballon. Eh bien voilà, merci pour cette réponse, jamais un problème. Sportage 4-5-5, la deuxième mi-temps de France-Australie, match de rugby, c'est du test match, c'est amical, mais c'est sérieux tout de même. Ah non, c'était une finale de championnat du monde. Ah pardon. Oui, virtuel, certes, mais tout de même. Voilà, ça va redémarrer. Monsieur, j'ai du papier. Arrêtez-moi la musique, là, les gars, parce que ça va bien pour la mi-temps, ça, mais là, j'en peux plus, là. Non, j'en peux plus, j'ai le palpitant. Le public. Encore, plus fort. Le public à mort. Il faut soutenir la France dans cette seconde période, il faut sentir l'ambiance. Oui, voilà, là, il y a l'ambiance. Nous sommes de Marseille au stade Vélodrome. Où un vent fort souffle, un vent de victoire. Un vent français. Inventé. Mais dans quel sens? Il souffle. Non, il souffle, c'est assez curieux, Jacques. C'est très rare que le vent souffle comme ça à Marseille. Et c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Ah ouais. Ouais, long coup de pied de Michoko, mais intervention immédiate des Australiens qui sont repoussés. Première super mêlée. Les hommes forts sont à nouveau sur le terrain. Les costauds, les durs du biceps, les furieux de la cuisse avec une relance de poitrine de bouc qui va, oui, qui crochette à mort, qui passe un, deux, qui se retourne bien, qui va livrer le ballon à ses partenaires. Il y a pénalité pour les Français. Déjà d'entrée. Et Galtouz va la jouer vite. C'est lui le capitaine, il peut décider, il peut faire ce qu'il veut, mais vu pour l'instant la faillite des buteurs, je considérerais qu'il vaut mieux. Ah non, tant pis. Ouais, c'est assez gros vice ce début de deuxième mi-temps, profitons-en. Oui, mais quand même, Jacques, ils ont chié pas mal de pénalités, il faudrait peut-être plutôt essayer d'aller marquer et d'entrer. On a la fraîcheur, on est bien, on a la force, la puissance, c'est peut-être le moment de tout donner. Oui, certes, mais les Australiens sont menés. Mais où as-tu appris ce mot-là, certes? En Lozère. Pénalité pour l'équipe de France, c'est Trouille qui va la tenter, 434 mètres. C'est décevant, hein, bon. S'il la met, c'est décevant. C'est monstrueux. C'est Steve Austin. Voilà, vous pouvez jouer au 1 sur 2, donc. Steve. Ouais, qui... Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. N'hésitez pas, monsieur. Mais bien sûr, servez-vous. Non, bien sûr, bien sûr. Vous pensez bien, si le manager ne peut pas s'en enfiler une, alors. Le ballon, il est parti. Oui, il est parti, on me signale qu'il est parti. Ah oui, il va là-bas, il est dedans, il est goal. C'est goal.
para Francia. Oh là là, Jack, c'est qui nous fait maintenant 14-3. 14-3. Ouais, ça s'écarte, ça s'élargit. Oh, c'est bon ça, hein. Oui, mais j'en suis, Jackie. On a suivi. Hein. Ah, il retrouve sa verbe. Ouais. Son verbe, puisqu'il n'en a qu'un, mais sa verbe. Ouais, peut-être qu'il fume du Ashcroft. Ok, il y a NTM qui attend que le public quitte la scène pour pouvoir monter dessus. Et attention, Jacques, renvoie votre australien. Jackie, débranchez votre truc. Vous êtes fou. Qui récupère ce ballon? Il faudrait que ce soit. Non, ce sont les Australiens. Ouais, qui sortent avec Grigou, Rackham. Mmh. Rackham, Skippy, oh, oui, Rackham, oh là là, what a combination, même Jean-Louis, tu t'es fait niquer. Oui, les Français ont perdu 5 mètres et c'est reparti pour les Australiens. Oui. Là, qui reviennent à fond. Avec Grigou, qui la donne. Repoussage français, donc on est pas mal en place finalement. Et on y va, on tente une fois de plus d'y aller au centre du côté australien avec le bras très haut, on livre la balle, Grigou, autre côté. Il y a tout le temps quelqu'un pour l'arrêter, yes, bonne défense française. All right. Yeah, it's very, very, very good play, Grigou. Yeah, importante sortie pour les Australiens. Grigou, ils vont essayer de pénétrer dans les 22 mètres, mais là quand même, ils passent souvent à vide. Oh, intervention française, non. Ah oui. En avant, à vide, en avant pour le sac. En avant pour la France, Jacques, mêlé pour les Français. Mmh. Alors qu'ils étaient d'accord. En défense. C'est d'accord. Bon, c'est deux c'est fois bon, qu'ils font ça. D'accord. C'est très bon. C'est bon signe, quoi. Ils maintiennent cette partie, hein, à leurs mains. Hein ? À leurs pieds. Hein ? Les Français. Allez, la France ! Allons, on s'en prend de la partie. Oui, mais nous sommes vice-champions du monde. Aïe, oui, mais on recule un peu sur l'introduction, mais ça peut nous permettre. Joli coup, Michala, Coco. Ouais, un petit peu court peut-être. Non, non, c'est pas mal. Mais en tous les cas, ça, regarde, ça le bouleverse. Ça, il faut qu'il freine. Un poil court tout de même, qui attaque. Et oui, mais il est pris le bougre de con. Qui défend. Oh, c'est joli ça, Jacques. Oh, si c'était joliment Suivez-moi fait. Suivez-moi ça, les gars. James Burke, Grigou maintenant. Waouh, les Australiens continuent d'attaquer. C'est le ball low, oui. McDowell. Ça play. Il passe pas. Ok. Oh, ça joue terriblement. Ils n'en peuvent plus, ils n'arrêtent plus. Mr. Pee-wee, d'après Jacques. Skippy now. Oh. Oh, Rackabanabal. Oh, Rackabanabal. Mêlée pour le France. Bien placé dans le camp australien. Yeah. Le France est magnifique en défense. Mais toujours à l'attaque. Ils sont tellement. Oui, non, mais en défense, ils sont bons. Est-ce qu'ils obligent les Australiens à faire des fautes tout de même, hein. Oui, mais les Australiens n'attaquent pas vraiment, on va dire. Mais c'est qui ça parle? Ils bon. Savent pas cliquer, hein. Enfin, vous ne connaissez pas l'histoire australienne, vous. C'est un petit pays qui est tellement loin qu'il est obligé... Ah putain, ça y est, ça commence à déconner. Qu'est-ce que j'ai qui déconne encore? J'ai pas touché. Allô? Vous vous rassurez, est-ce qu'on reçoit toujours? À fermer pour les Français. Oui, ah non, je voudrais qu'on puisse. Merci. Merci. Attention, oui. Ah oui, bah, heureusement qu'il était là, David. Bourroui. Les bleus. Oui, Galtouz. Galtouz avec super bout de scène. Non, il a donné sa balle. Galtouz toujours, ça joue très vite. On libère très bien la balle du côté français. Ouais, on va y aller. Avec Michoko qui s'en fait le truc. Là, c'est pas vrai, dans les 22. Oui, magnifique Michoko. Regarde ça, il te l'a traîné le gros pendant 30 mètres. Il en peut plus. Et là, c'est bon. Et là, c'est goal. Ah, et là, c'est goal. Oui, c'est sûr que c'est goal là. Mais non, le gars, à droite. Il n'y a pas en avant. C'est pas possible qu'il y ait en avant. La sortie française, le ballon, il est là. Il faut le donner. Mais pourquoi il n'a pas donné à droite? Magnifique. Charles qui donne, revient à l'intérieur. Pour bloquer la défense. Non, oh là là, ils sont virulents, les tricolores. Ils sont bien, ils sont très bien dans les 22 mètres australiens, ils sont magnifiques. Ils vont y aller là. Oui, le maillot. Presque, le maillot est trop solide, Jean-Louis. Fais-nous des maillots qui pètent. Yeah, ils vont y aller. Yeah. C'est difficile. Écroule. Jean-Louis, serre, bordel. Écroule-moi ça, yes. Bordel. Jean-Louis, serre. Roger. Jean-Louis, je te dis. Et serre, je t'ai pas dit, garde. Harmonie, H-A-R-M-O-N-I-E. Harmonie, hein, j'ai bien entendu. Ouais. Eh bien, c'est une belle partition que viennent de jouer les Français. C'est pas joli, ça? C'est vrai, ok. Magnifique, je le note. Merci. Je le note, moi aussi, pour l'harmonie. Hein? Tandis que là, les Français auraient largement pu marquer un essai. Ils ont fait les ânes, ils ont voulu y aller en puissance. Ouais. Tu vois, il peut la redonner, cette balle. En même temps, ils sont pas obligés de marquer. Pour... Ah, ça, c'est sûr. Mais bon, si tu veux ne pas perdre la partie, mieux vaut quand même engranger quelques points, Jacques. Des points, alors, tu dis. Des points de suture, éventuellement. Pas que, tiens, puisque tu en parles. On peut essayer un jingle. Moi, je suis pour, hein. D'accord. Allez, nous avons voté. Ouais. À l'unanimité. Sans anabolisant. Ah, celui-là, il sans gréter, il n'était pas passé. Il est dopé, ce jingle. Merci. L'émission, peut-être pas, mais le jingle... Il est dopé. Ouais, il a dépassé le taux de cholestérol et de testostérone. Nos tétos. Il y a toujours un blessé. Ah oui, il y a un mec qui saigne à mort, là. Il y a un mec qui saigne, ça marche pas très bien, mais cette fois-ci, ça colle, c'est bon. T'as vu ça, comment il répare, les gars?
Australiens. Il n'y a pas de problème d'urgence, là, t'arrives, c'est direct, tu saignes, on te soigne et tu repars. T'attends pas trois quarts d'heure dans la salle comme un con avec le truc ouais. Hein. Non, ok, oui. Ben, défilé de mode. Oui. Écoutez-moi ce son, s'il vous plaît. Voilà, alors 05 61 21 64 05, si vous avez reconnu ce son, car je ne sais pas qui il est. Si c'est le son à quelqu'un, dites-le, hein, immédiatement. Ah, ouais. Ouais. Envoyez vos sons. Tandis que pour l'instant, il y a un terrible arrêt de jeu sur la pelouse. Oui, enfin, terrible. Ça va, le joueur est reparti tout de même, oui. Avec un bandeau. Oui, avec... Un bandana. Oui, c'est la mode en ce moment. Mais les Françaises, nous sommes dans les 10 mètres. Les 10 mètres australiens. Il ouais, a sorti Tabascotte. Oui, Tabascotte. 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 Avec Galtouz qui s'est fait prendre. Eh bien, le gars, oui, on s'est fait repousser. Oui, ouais, exactement, Jacques. On le perd, le vin. On l'a perdu, normalement. Mais monsieur, il a quelque... Oh, pénalitat. Dites. Pénalitat. Et attention, on va se distribuer les bouffes. Ah, là, voilà. Là, on est... Oui. Oui, on a vu Australie-France en match de foot, donc on essaie de une fois de plus de copier le foot. Le grand contre le grand, hein, c'était là quand même, hein, cette fois-ci, c'était réglo. Ouais, il y en a un qui réfléchit. Oui, pas pour lui peut-être. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tout de suite, on lui envoie une petite musique légère pour faciliter la récupération du rugbyman. Ça va, Coco? T'es fatigué? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es touché? Right. Voyons ce qui t'est arrivé. T'as pris des bouffes? Ah oui, on s'est distribué un petit peu tout de même. On s'en donne, on s'en envoie. Mais toi, où tu es là? Merci à tous, hein. Merci messieurs de nous montrer de telles images. Ouais, je vous rappelle que les enfants regardent. Alors tu peux me blasphémer après sur mes soi-disant petits gros mots. Ouais, qu'il y a des ralentis qui me font chier. Il y a des gestes qui me semblent bien plus dangereux. Hein. Ça y est, ça marche. Chrono Speed, c'est super. Oh putain, ça a pété. Excusez-moi, je vous rappelle. Merci, Jacky. Pénalité pour l'équipe de France, qui aura l'occasion tranquillement d'aggraver le score. Mais bon, pour l'instant, nous posons terriblement de questions. Oui. Allez, on va s'en enfiler une encore. Hein. Une pénalité. Yes. Ah, il y en a eu, hein. Puis alors, c'est fléché. Normalement, ça doit rentrer. Faut pas déconner, les gars. Cette fois-ci, il est guidé, hein. Vas-y, Kiki, ne te loupe pas. Il est téléguidé. Attention. Le ballon va partir s'élever haut dans le ciel, sous le regard triste de l'Australien. À côté. Et c'est à côté. C'est pas avec ce genre de mec qu'il faut faire joujou branlette. Vous avez raison, madame. La faillite du buteur français. Le buteur français est en faillite. Il est en solde. Qui relancera? Liquidation. Total. Du buteur français. Demain, ouverture exceptionnelle. Le buteur français. Liquidation totale. C'était une publicité. Avec les magasins Moscato. Les trois Moscato. Ouais, mais normalement, à la fin, la pub, elle s'arrête. Hein. Pardon. Ouais, non, vous pouvez pas déconner. Récupération si possible par les tricolores. Sera scène en avant et en arrière. L'arbitre n'intervient pas. Si. Non. Ballon. Oui, France. Ah, c'est fouillé. Vas-y, Galtouz. Vas-y. Galtouz qui ouvre. Pour Choco. Michoko qui tente le petit coup. Ah, mais on s'est pas entendu. On s'est pas entendu. Heureusement qu'il y en a un qui est allé. Un gros qui est allé prendre la balle. Et l'arbitre intervient. Que dit monsieur? J'ai du papier. Pénalité pour le France, me semble-t-il. Le France? Oh, ils sont énormément, non? Chanceux. En avant, pardon. C'est une mêlée. Pour qui? Laisse-moi regarder. Mais enfin, j'ai pas vu. L'Australie, me semble-t-il, oui. Ouais. Regardez-vous qui va bien. J'entends Minou. Ah, ça, c'est pas Minou, ça. Qu'est-ce que c'est, ça, Jacques? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, le joueur, là? Ah, attention. On a perdu, Jacques. Ah oui, bien. On a perdu un joueur. Il est pas mal. Mêlée pour l'Australie, la mêlée mouvante, mêlée, ça y est, c'est introduit, mais ça va être dur. Voilà, il le prend, oui, il a pas avancé, et en plus il est mal retourné. Allez. Dommage. Ah, dommage, oui. Sortie du ballon, Griou, Australie, Come on, il le fait, il est passé, what the fuck, aïe, aïe, aïe. Dans les 22 mètres français maintenant, Griou qui sort cette balle, mais elle est disputée, on a 10 mètres, ah, on est pas mal, attention au hors-jeu les gars, on est pas mal, on est peut-être en position de hors-jeu, c'est vrai Jacques. Pour l'instant, monsieur, j'ai du papier, ne dit rien. Récupération française, là-bas, les tricolores, ils l'ont reperdu en avant, trop tard, arrêtez, messieurs, vous jouez trop vite, vous faites des bêtises. Jouez plus lentement, mais jouez bien. Mais il y a combien au score? Il y a 11-3. Ça n'a pas bougé. 14, toi, imbécile. Ah, je me disais. Moi aussi, il me semble, hein, mais...
14-3 donc. Jean-Louis, alors ça, je ne sais pas si tu cherches quoi, le reportage de je sais pas quoi, quel prix, mais c'est minable. Hein. Ouais, c'est le prise de vue. Regarde ça, Jacques, ils étaient bien montés. Voilà. Oui, mais bien plaqué pour les Français. Oui, joli coup hein, de David Bohr, oui. Mm-hmm. Très fort, très puissant. Il s'était relevé immédiatement pour essayer de chipper la balle et finalement, intervention de monsieur. Alors, j'ai du papier. Ça me semble logique. Assisté de monsieur. Tant mieux. C'est pas mal. La mêlée, c'est cool. Mais donc, assisté encore de monsieur, j'en refais un. Oui. Le 22 arrive d'ailleurs, tiens, Jacques. Tu devrais attendre un peu parce que le 22 va rentrer. Ah bon? Cette fois-ci, la mêlée a changé de main, c'est égal tout ce qu'il a fait. Elle tourne. Vite, il faut la sortir. C'est fait. C'est fait pour l'équipe de France qui peut progresser. Encore, one more. En avant, encore. On a fait un en avant, nous aussi, on a fait un en avant. En avant, sur en avant, mêlée sur mêlée. Aïe, aïe, aïe. C'est pas terrible, ouais. Ça devient pénible. Non, non, mais c'est pas ça, c'est qu'il va se passer quelque chose, là, Jacques. À quel moment? Oh là là, on le voit. Oh, putain, il a pété de Villiers, disons. Jean-Michel Rascol? Hein? Jacques, il y a quelqu'un avec vous? Que se passe-t-il là-dessus, réellement? C'est difficile à dire. Ouais. Caméra du dessus, alors, Jacques. Oui, Jean-Louis, je te dis que c'est pas la peine, ils ralentissent pas. Ils sont pas primés. Jean-Louis, appelle la régie. Ah, Jacques, je suis inquiet, c'est une pénalité pour les Australiens. Voilà qui le remettrait un petit peu dans la partie. Ah, si. Il était un peu sur les côtés, c'est vrai. Il jouait beaucoup sur les côtés. Sinon, ils sont peut-être passés à côté du match. Ils n'étaient pas rentrés dans la partie, voyez-vous. Non. Et là, ils vont y aller. Là, 3 points de tentative de... C'est pas dit, parce que moi, j'ai connu Raymond Jones en 75 à Brisbane lors d'un fameux test match qui s'était loupé à 15 mètres. Je peux te le dire, mais James Burke, c'est autre chose. James Burke, c'est du solide. Il sait y faire, ouais. Il sait y faire, d'ailleurs, il se la met. Allez. Ouais, 3 points de plus pour les Australiens. Ici Marseille, la France mène 14-6. Cassis. On est en direct de Marseille. Allez, OM. Sportage 4-5-0. Ouais, l'OM. Le thème de l'OM. Michoko avait la balle dans les mains. La France allait relancer. Ouais. Le public. 14-6. 14-6. Tu me passes le saucisson? Ouais, tout de suite. On a déjà la réponse. Ballon sorti dans les mains. Tranquille, de Grigou qui peut dégager cette fois-ci. Il faut que les Français pressent. Il faut, Jacques, que la France mette du mouvement dans cette partie. Parce que sinon, nous aurons véritablement du mal à contourner cette magistrale défense australienne qui nous brise chaque élan très rapidement. Voilà. Ok. Only for you. Interview. Direct. Only for you is for us on Campus FM. Yes, touche, il faut la prendre. Tomasco, elle a été contestée, mais monsieur, là, cette fois-ci, monsieur, intervient. Le 22 est-il rentré, Jockey? Jockey. Jockey, c'était une bonne question. Eh bien, oui. Merci, Jockey, quelle voix. Ah, mais là, la voix est tracée chez lui. Ah, la voix de son maître. Elle est trachée. Oui, belle, cette fois-ci, elle est belle. Oh Jacques, c'est beau, oui, c'est beau comme c'est joli. Oh, une touche. Je suis bien habillé. Oui, avec, oh là là, Rouge Gorge qui était bien monté, mais cette fois-ci, il n'a pu livrer son ballon. Et non, il est confisqué, il a été bien pris par les Australiens. Absolument. Allez, avec une biennale. Absolument, une, une diagonale, Jacques. Tu reviendras dans 2 ans. Oui, ah, attention à celui-ci. Attention à lui. Oui, oui, continue les Australiens, mais les Français sont là pour plaquer, ouais, toujours présents, oh, physiquement. Plaquons. Petit coup de pied à fuivre. Ah oui. Cuivre. Dommage. Bon, en tous les cas, c'est une touche. Ouais, ça c'est déjà ça. Hein, c'est pas mal. 14-6, ça nous fait quoi? 8 points d'écart. Un essai transformé. La distance est encore possible. Ouais, une touche. Bon, ça fait la 18ème. Est-ce que vous avez vu Ben Laden, vous, dernièrement, là? Non, j'ai vu Ben Johnson. Ah bon, et comment il va? Il se pique au jeu. Et quoi, il tourne en ce moment? En rugby. Il en regarde beaucoup, c'est ça? Méprisé, M-E-P-R-I-S-E-R. Oui, c'était les chiffres et les lettres en 1864. Son Padolpi. Ouverture. Et oui, pénalité pour la France, car les Australiens étaient au-delà de ce qu'ils avaient le droit de faire. Et oui. Non seulement ils ont conservé la balle, mais en plus ils ont conservé la balle. Enfin, cela dit, s'il y avait un arbitre partout autour de nous, on serait souvent fautif. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là?
C'est un idéal de la vie de tous les jours, c'est une image hein, pour nous tous de suivre les règles, voilà, et sans arbitre pour nous. Mais tu penses que l'arbitre constitue une des premières étapes sécuritaires là, de ces, enfin, c'est ça un petit peu que tu veux dire d'une certaine manière, il y a un vent sécuritaire. Oui, ça, c'est vrai. Tes papiers. Chaki, vous êtes monté en altitude. Il est là, Bentune, il y a Bentune qui vient de rentrer, je peux vous dire que... Ça y est, ils ont fait rentrer du pognon, les Australiens, c'est mauvais signe pour la France. Ce qui va terroriser l'équipe de France. Attention, donc. Merci, Jackie. Ballon tricolore, Jackie. Jackie, ballon tricolore. Appuyez sur le mouton, Jackie. Galtouz qui l'a transmis. Oh là là, la défense australienne est superbe aussi. Hein. Ah, elle est saillante. Hein. Allez, elle te plaît. Par-dessus, un petit coup de pied par-dessus. Et pourquoi ils font pas un petit coup de pied par-dessus, là, même si... Voilà, le petit coup de pied par-dessus, voilà. Mais pas par-dessus, là. Par-dessus, là-bas. Là-bas. Ah, ben oui, puisque la défense est bien, là. Et hop, tu passes le ballon par-dessus. Elle est prise à défaut. Et ça donne un peu de liberté à tout le monde. T'as déjà essayé le tir à l'arc. Le... Il paraît que je ne suis pas une cible de la fédération. Je ne correspond pas. Attention parce que ouais, il y a eu blessé. Archou crève, Jackie. Il y a du blessé, il est blessé, le joueur français, le jeune joueur français. Ah, ouh, ma fermeture éclair, putain. Et oui, l'arrière français va sortir, je crois, Jacques. Ouais, en bécane, il a acheté une bécane. Il sort récemment et il est content quand même, il a pu montrer sa bécane. Ah oui, cette fois-ci c'est fini ça. Et c'est Ran qui rentre. Ran, Toulouse. C'est Jin. Toulouse, Ran. C'est une Toulousaine encore, il y a 22. Le 22, il y a deux 22. Oui, Lou 22. Nicole Ran. Lui il a deux, Jean-Jean, il a tout, hein. Tout en double. Peut-être il a deux couilles aussi. C'est qu'il est si à moi. D'ici qui joue avec 4 mains, on est pas. Allez, les Australiens, au niveau du rond central. Du rond central. Ah oui, j'ai bien vu ça. On n'est pas loin du rond central. On est dedans, sur la ligne médiane. Attention là, les Australiens longs, mais ils reviennent à l'intérieur. Ils sont en train de, ils sont en train de tester la défense française là. Hein. Physiquement, il peut y avoir une bascule. Oui, ils sont en train d'essayer justement de la faire venir cette bascule. Ici en direct de Marseille, avec une magnifique putain de combinaison chiée par les Australiens qui vont perdre la balle. Oui, ils vont la perdre cette balle. Ils sont sur le recouloir, il faut aller les presser. Il faut les presser là. Oui, oui. Ils ont obligés à mettre en touche. Magnifique. Allez, la France. Pousse encore. Allez. Oui, gagnez les places pour moi. 14-3. Attention, touche. Les Français me semblent fatigués, ce serait peut-être, Jacques, le moment de faire le fameux coaching. Mais on peut faire le point, là, Jean-Loup, là, tu m'affiches tout. Mais non, pas le ralenti, bordel. C'est là que tout va se passer. Ah bon ? Galtouz, magistral, qui est toujours là pour faire le petit coup pourri, pour gêner la défense adverse. Et la France progresse ! Yes, la France progresse ! Come on, baby ! Ça sent la faute. Oh yes, oh, c'est là maintenant. Je ne vois pas comment, messieurs, il ne pourrait pas y avoir goal. Ah bon ? Ah, je te le dis tout net, il faut qu'il lâche la balle quand même, parce que sinon on va se faire sanctionner. Oui, l'a lâché, il l'a fait, les Australiens l'ont récupéré, nous, bien sûr. Nous la perdîmes. Ah, mais ils ont fait une connerie, je crois. Ils ont fait une connerie de dégagement. Un peu court, non, c'est bon, c'est sorti. Ce serait une touche, une simple touche. Ah, ta mère ! Comment, c'est pas ça qu'il lui a dit, là. Mais bon coup. Merci, messieurs, pour ce doublage, mais on ne le voulait pas. Mais c'est un triplage. Jean-Louis, quand tu auras fini de tomber amoureux... Ouais, Jean-Louis, il a de beaux yeux, mais... Tu reviendras au match. Il est un peu enflé, quand même. Ouais, oui. Dis donc, Jean-Louis. Dis donc, il faut que je te parle, d'accord ? Non, Jean-Louis, Il y a toujours 14-6, tout de suite le journal. Le prince charmant va débarquer au Pays des Merveilles jeudi prochain à 15h30 à la gare Matabio. C'était le journal, bonsoir. Attention, les Australiens attaquent, on retrouve le direct. Hein, bien sûr, avec Sportoise, ils ont obligé. Ils y sont. Et là, c'est blocage. Là, c'est du n'importe quoi, Paul. Je pense que c'est du catch à casse. À 8. Attention, les Français ont la balle sur une petite contre-attaque. Voilà, par-dessus la défense. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Du coucou le pied. Joyeux, les gars. Et en plus, ça mène tout le monde dans les 22 mètres australiens. Ça libère de l'espace. C'est magistral. Absolument. C'est heureux que nous sommes. Michoko qui se récupère un petit peu de ses bourdes. Ça fait du bien de voir du vrai rugby, hein, quand même. Tu es bien, là ? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, non, ça je le sens mieux, je sens mieux. Ouais, ouais, c'est vivifiant. Ah, un petit problème, apparemment, on est mal sapé. Non, monsieur, j'ai du papier à... Fais le tour.
Allez, on reprend, on se tâte plus tard, les gars. Ouais, non, ouais, laisse celui de short un peu, là. Qu'est-ce qu'il lui fait, là? Parce qu'ils ont envie de... Mais qu'est-ce qu'il lui fait, là? Viens ici, viens ici. Non, mais dis-donc. Mais c'est la saison des amours chez les rugbyman, là, non, ou c'est quoi? C'est pas vrai, il est fou. Non, mais regarde, là, c'est la saison des amours. Ah ouais, c'est vrai. Il l'attrape délicatement. Et là, vous allez voir, à la surprise générale, ce n'est pas le grand qui attrape, mais le petit. Mais oui, il y en a qui ont les capotes. Regarde bien, regarde comment il te le monte. T'as vu ça? Waouh. Oh, même les Australiens s'y mettent. Ouais, Michoko, magistral. Quelle anticipazione. Tu parles les pattes, toi, non? Et les Français, ils ont la balle. Oui, ils l'ont. Ils l'ont avec Galtouz. Galtouz, superbe. Ouh, oui, avec un jeu de main techniquement parfait. Oui, mais là il, est, là, il s'est fait mettre dans un sale sens et j'ai peur pour le ballon. Mais oui, oui. Ah, il est gentil, monsieur. Il est gentil, monsieur, j'ai du papier. Oui. Parce que là, il s'était fait mettre dans un sale sens. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Encore un joueur à terre. Ah, mais le Dugby devient de plus en plus... dur. Jingle. C'était une journée particulièrement redoutable. Déjà dès le réveil, j'étais pas bien. Ça s'est pas amélioré au cours de la journée, et la soirée et le soir, j'étais dans un état pitoyable. Je me suis foutu à la radio. Paf! Je suis fort à la phase! Et je crotte! Pouh! Matière grasse qui. Non, il peut récupérer. Allez vous allonger, monsieur. Ça vous fera pas de mal. Oui, allez vous allonger. Attendez, messieurs, ne poussez pas avant l'introduction, vous le savez. Ouais, on ne déjoue pas. Non, c'est comme si on mettait le développement avant l'introduction, le livre est mal monté, c'est la n'importe quoi. La deuxième avant la première. Oui, monsieur, la charrue avant les bœufs. Allons-y. Ou les bleus. Bon, mettez les bleus alors, les bleus, mêlez. Mêlez, on pousse, maintenant on pousse, et on la sort, ouais, avec Tabasco. Elle est belle, elle est bonne, elle est bonne, elle est gaulle. Oh là là, Mac il a pris le package, il a pris le package, t'es aussi. Manager. Eh si, il a cru qu'il pouvait y aller comme ça, mais il a pas mis toute la puissance. Non, il fallait qu'il se baisse. Qu'est-ce qu'il dit, sur radio quoi. Eh ben. Radio tant mieux. Que dit l'arbitre? L'Australie, puisqu'on l'a percuté sur le drapeau de touche, et le drapeau de touche est parti de l'ambu. Merci l'arbitre. C'était bien joué, Galtouz, la longue passe, elle est belle. Et là, il faut qu'il recrochette à l'intérieur, il faut qu'il la donne. Il faut qu'il la redonne, cette balle. Oh là 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 là, il faut qu'il la redonne. Mais qu'est-ce que t'as, Jean-Louis, là? Tu as fini? Oui, c'est les vacances ou quoi? T'as joué le 15. Dis donc, Jean-Louis, tu vas le lâcher, ce jeune, il a que 19 ans. Hein. Hein? Toi, t'as ta carrière, quand même. T'as de la bouteille, hein. T'en as même une à côté. Va le monter magistralement. Oh oui. Bam, tiens, prends ça, Kiki. Eh, y a faute? Qu'est-ce que y a faute? Parce que normalement, quand il est en l'air, Jacques, on n'a plus le droit de plaquer le joueur, je crois. Ah oui, ça c'est connu, c'est couru. Oui. Et là il a fait bobo. Là il a fait bobo. Il a mal, hein. Enfin, on va peut-être. On remet ça? On remet ça. Mais mon plat préféré, pu rester caché, mais quand il y a Sportage, alors là je vais à côté. Sportage, mieux que pu rester caché. Sportage, mieux que pu rester caché. On peut pas s'essayer à tout. On n'a pas pu tout cacher. Mais par contre, si je peux le récupérer pour mon boucher. Attention. Moment, si tu m'entends. Moment. Papa, moment. On peut y aller là, on peut... Les gars, on peut rejouer là, parce que nous, je ne sais pas si vous le savez, mais vous nous faites durer les matchs 4 heures maintenant, avec vos arrêts de jeu. D'ailleurs, la télé doit se dire, putain, pendant ces arrêts de jeu, on devrait envoyer de la pub, tu vois. On devrait envoyer de la pub. Tu vois, René, qu'on aurait de l'air d'envoyer de la pub, là. Bam, bim, bam. Regarde un œil sur le truc. C'est terrible. Dégagement australien, puisqu'ils sont dans la difficulté, ils sont dans la merde grave, hein, quand même. Là. Ouais, ah oui, Jacques, et oui, ils sont menés, ça fait deux fois qu'ils vont perdre sur le... Ça fait trois fois que tu le dis. Hein. Oui, mais quand même. Ça y est, j'ai trouvé. Mais c'est quoi, je fais? Eh bien, c'était un virus, hein, j'avais un speed, c'est super speed, la vitesse du match. Oh, vous m'emmerdez avec ça, là, dis donc. On a fini. Oui, il a passé la balle à Charlemagne, mais en avant, dit l'arbitre. En avant, dit... Salut, Jacques, merci. Charlemagne, regarde, on dirait qu'il a rien fait. Mais le score est bloqué alors. 14-6, Jacques. C'est quoi, c'est pour les RTT? Tu penses qu'il y a les 35 heures? Ils sont en négociation là peut-être? Sur le ballon, peut-être le ballon a droit aux 35 heures aussi. Il va falloir surveiller ça de frais. Grigou qui sort la balle.
Oui, hein, oui, oui, oui. Ils essayent de prendre le centre, mais il y a du monde, il y a du monde. On est là partout. On est avec une intervention monstrueuse. Il faut être deux quand même, hein, pour arrêter un Australien souvent. Quand il est lancé, hein, parce que ouais, quand il est arrêté, tu vois, ça va mieux. Oui. Là, par exemple, tu vois, un seul suffit. Voilà, bien sûr, monsieur. Ils se mettent même des coups de pompe. Ouverture. Attention, il y a un soigneur là-bas. Oui, c'est l'arbitre est tombé ou quoi? Non, non, il y a un soigneur. Il ne faudrait pas quand même qu'on lui fasse mal. Ce serait dommage. Eh là, oui, quand parce même qu'on pourrait tous soigner les joueurs. Et où il va, Grigou? Oui, oh là là, que c'est beau ça! Magnifique, Grigou! Mais c'est beau aussi, vas-y, à poil! À poil! Mais oui, madame, le rugby pour vous. Avec le ballon, oh là, ils sont nombreux là-bas. Oh, ils sont moult, il la récupère joliment avec Charlemagne qui est là en défense pour l'équipe de France. Aïe. C'est terrible, Gilbert. Ah, il passe dans les trous de souris, les Australiens. Oh là là, oh là, les attaques. S'ils ne marquent pas là, Jacques, ils ne marqueront plus jamais. Si la défense française tient là, elle tiendra toujours. Hein? Non, excusez-moi. Il passe au centre, il va perdre la balle. Il va la perdre, elle est récupérée. Yes, elle est récupérée, oui. Yeah, yeah, come on, France, récupère la balle. Mêlée, marquez ces mêlées, Jacques. Et qu'est-ce qu'on fait avec les mêlées? Ça veut dire que trois fois sur la défensive, trois fois ils ont obligé les Australiens à faire des en avant. Mais tu te rends compte de la symbolique? Pas vraiment, mais... Ça veut dire que les Australiens vont être embêtés, même après des gestes techniques comme ça, fou. C'est rigolo, en fait, ou... Mais non, c'est sérieux. Merde. Ah, oh, bien sûr, si tu t'amuses avec ton truc, là. C'est une mêlée, elle sera avec introduction française. Elle sera bonne, j'espère, hein, parce que tu, oui, tu m'as fait monter la sauce, ah oui, là, ah mais oui, t'as intérêt à avoir du jeu derrière, hein, parce que Kiki... J'ai ce qu'il faut, regarde ça, regarde le Grigou. Grigou, trois défenseurs sur lui, il parvient tout de même à distribuer cette balle. Mais attention. Attention, ça monte, avec Alain Delon, Jean Gabin, Depardieu, Romy Schneider, Bill Laswell. Ouais. Vous êtes sûr, les gars, c'est la bonne bande? Non, c'est pas... Non, c'est pas pour nous, ça. Non, c'est pas nous. Attention, que va dire monsieur, j'ai du papier. Il ne faudrait pas que les Français soient pénalisés, ils ont le bénéfice de l'introduction. Et ils peuvent faire une action. 14 à 3. 14 à 6. À 6. À 6, ils sont pénalisés. Aïe, 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 aïe. Qui est les Français? Ouais, ils ne peuvent pas la tenter, Jacques, hein, mais ils peuvent la jouer, voilà, c'est ce qu'ils font les Australiens. Ils approchent les 22 mètres tricolores, ils déconnent à mort. Il n'interviendra pas, monsieur, j'ai du papier, c'était derrière, on peut jouer. Grigou. L'Australie est repoussée, il n'arrive pas à passer. Défense française aux aguets, pas de pénalité. 14 à 6. Grigou sort la balle. Il garde sur le grand côté, mais il y a toujours quelqu'un pour plaquer. Grigou qui ne peut le donner. Lui, il est tout seul, il est enfermé. Les Français sont surexcités. Pénalité pour les Français. 14 à 6. Pénalité pour les Français. Ah, ça peut planter là, hein. Ça peut même carrément peut s'éloigner. Ah non, on se rapproche. On se rapproche. On se serait éloigné au score, Jacques. Certes, mais là on se rapproche sur la pelouse. Ah, qui est con ce vieux. Un peu de fatigue. Putain, je le tiens quand même. Remets le fil bleu, vas-y. Là. Merci, je kiffe. Merci, ah oui, ben j'essaye. Hein. Gagné. Pendant ce temps-là, les Français sont fait sanctionner sur cette... Clic, je te dis. Comment ça, clic? Attention, les Australiens repartent. Avec Grigou, Rackham le Rouge. Rackham. Brisbane. Ban. Grigou toujours, qu'est-ce qu'il peut distribuer comme ballon? Et là, la grande passe, elle est belle! Elle est belle avec celui-ci! Oulala! Mais d'où il sort? Mais d'où ils nous l'ont sorti le 22 là? Non seulement il est taré, mais en plus il est taré! Ils le sont! Ah, mais quand même, ah, tu l'as il vu! Il l'est! Il court à 60 à l'heure, il fait des gestes fous, il fume pas, qu'est-ce que c'est que ce joueur-là? Ralenti de Jean-Louis, intéressant, on voit un jeu aérien tout de même, très aérien le rugby.
Sans, au ralenti, hein, Jacques. Ah, on observe. Magnifique. Au ralenti, c'est vrai qu'au ralenti, il y a une très belle gestuelle hein, dans le rugby, je le confirme. Touche australienne, milieu du terrain. Merci Jean-Louis. Hein. Si tu peux te mettre plus loin, tu filmes alors. De Aix-en-Provence. Ouais. Hein, Jean-Louis. Ok. Le ballon dans les pieds de Platini. Platini qui cherche Gires. Gires qui est bien sûr là. Oh là là, mais lui il veut, lui ce qu'il veut c'est démonter quoi. Démonter, il veut démonter, mais filez-lui quelque chose. Hein. Parce que là il va nous casser quelqu'un. Hein. Le, ballon est, le ballon est mal. Ah, est on mal. Voit que oh, il l'a perdu. Le judo français va bien. Yes. Oh c'est bon, ça, il peut bien jouer Michoko. Pas direct. Hein. Fais pas le con, pas direct. Non, hein. Elle est non, dans elle le terrain, c'est cool. Oui, en plus ça va pas sortir. Ça va être le bon arrive. Comment il fait lui, comment il arrive le speedman. Oh là 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 là. No goal! Video? No goal. It's no goal, but it was marvelous! What a damage! Oh, la puissance du gars, la vitesse. Yes, c'était, bon, hein. C'était magnifique, hein, Jacques. Qui ce 14? Je ne sais pas, hein, c'est rouge-gorge, oui. Rouge-gorge. Aïe! Et tu l'as vu. Voilà, on remet tout en place. Ouais, allô, la vidéo, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Allô, Jean-Louis, est-ce que tu prends les images? Ah putain, 14-6. Non, c'est bon. C'est merci, la touche elle est pour qui, là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de touche. Ah, il y a un 18 qui rentre, Jacques. Ça t'intéresse, un 18? Non, je l'ai déjà. Tu prends pas. Très bon. Le 5 est sorti, le 18 qui rentre. Combien alors, resterait-il à jouer? 1-0 devant Sedan. Lyon est allé gagner à Lorient 3-0. Terrible, hein. Regarde ça. Okay. Pourquoi il ne la prend pas? Non, il n'y est pas. C'est l'effet chaud, suppositoire hein. Encore. Mais quand même, c'est une touche, non pour les... C'est une touche pour l'équipe de... Ah non, ils attendent la vidéo. Je t'ai prévenu. Ah. Hein. Oh, la vidéo. C'est un peu minable, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Les gars, mêlée introduction. Mais bien sûr. Mêlée introduction. Ah, bah oui, Australie, sûrement. Australie. Oui. Quoi qu'on peut en douter, hein, Jacques, puisque le ballon est parti sur le côté. Si t'as été le français qui avait fait là en avant, il serait parti devant. Le dernier à avoir touché le ballon, a priori, c'est le français. Ne m'emmerde pas. Hein. Alors, les Australiens ont le ballon dans cette mêlée, ils ouvrent, ils vont dégager des pieds. Non, parce qu'ils savent qu'il faut ils vont essayer de monter petit à petit, sans la perdre, sans la redonner. C'est ça, Jacques, tu vois. Ouh, on écroule le parquet et on sort le ballon. Mais oui, mais là, cette fois-ci, quand même, ils peuvent pas. Petit coup de pied, un mini coup de pied. C'est vrai. Ah, un peu décevant, hein. C'est vrai que c'est pas, c'est Australien, pas. Ce soir, en petit... deuxième mi-temps, je m'attendais à beaucoup plus de... Quelques petits applaudissements, mais bah... Du monde. Les Australiens sont pris. Ils sont champions du monde. Ils ont perdu deux fois, peut-être, d'affilée, Jacques. Qu'est-ce à dire? Est-ce que la hiérarchie est en train de vaciller? Mais ont-ils perdu leur foi, surtout? Mais leur foi, non. Ils ont tout. La rate, les poumons, les reins, le foie, ils ont tout. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez qu'ils perdent le foie dans un match? Oh, ça arrive, hein, des fois. Du foie de veau, ouais, mais du foie de rugbyman, moi je prends pas quand même. Ah. Sortie, magnifique. Sortie, voilà, écartez les gars, ouais, écartez là, voilà, vite. Oui, oh, ah, on non, le contre. Il le prend. Qu'ils comprennent qui pourra. Oui, sortie, il est parti, le ballon est récupéré par qui? Oh, il est fou, David Bory. Il est magnifique, il est monstrueux, il est magistral, il les emmerde à mort. Ça va shooter. C'était chaud, et qu'a dit monsieur, j'ai du papier. Jean-Louis, plan large. Il en a plus. Jean-Louis, oh, bah, ça plan te plaît, cul, oui. Ah, il est chaud, gars. Eh ben, dis donc, Jacques, mais quand même. Non, mais je veux dire, ça devient un gamin, quand même. Non. Heureusement, il y a l'autre qui revient. Jin qui est revenu. 2-2. Le 22 contre le 22. Il y avait bataille. C'est pour ça. Merci Jean-Louis, là ça va trop vite, peut-être on ralentit. Ou il est trop bas, ou ça va trop vite. Mais ouais, Jean-Louis, il y a un truc qui va pas du tout. Ouais, ben, à la pression, là. Je préfère te dire que pour les prochains. Oscar, on a encore du travail. On vérifie là tout le joueur. Ah, ça m'étonnerait pas qu'il soit blessé parce qu'il a, lui, il a donné quand même, grave. Hein. Je vois que les premiers skieurs, les premiers skieurs, et que le tire-fesse quand même. Ouais, il cherche la neige. Le tire-fesse a du mal. Oui, c'est assez curieux tout de même. C'est lourd, hein. Le toit est lourd. Ouais, ils sont en train de porter quelque chose qu'on ne voit pas. Les skis peut-être, les skis transparents. Premier ski transparent. Ah ben c'est bientôt les vacances. Vivre de verre. Que du verre. Ils sont un peu, ils sont bien. Hein. Et attention parce que nous rigolons, mais l'Australien se rapproche alors qu'il ne reste que quelques minutes à jouer. On va prendre un petit jingle parce qu'il y a une touche super importante. S'il est court, j'appelle la régie. Oui, 30 secondes. Eh bien oui,
bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Aujourd'hui c'est un numéro spécial jingle. Ah, salut à toi Jean, David, je te remercie d'être fidèle au rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je ne sais plus pourquoi on est là, mais c'est sûrement à cause de Sportaz. Sportaz, voilà. Très bien les gars. C'est ce qu'il nous fallait, la mêlée, c'est parti, la touche, pardon, avec les Australiens dans le camp français, ça devient dangereux. Oh là là, il a gagné 5 mètres. Oui, il a gagné 2 joueurs français sur le dos aussi. Attention, avec parce que s'il marque, il revient un point, arrête, Jacques, arrête. Oui, plaque. Ce serait bien pour le dernier direct. Non, arrête, il lui a confisqué la balle. Il lui a confisqué la balle, magistral. Oui. Magnifique, il est somptueux. France, il est ta défense est nationale. Ouais, mais alors, il lui a bouffé la balle. Comment ça, ça sonne? Il lui a piqué la balle. Oh, Jean-Louis, il faut nous refilmer ça. Ce passage est particulièrement important. Le ballon est là. Il a le droit de le faire. Magnifique, magnifique. C'était beau. Tel le félin, il a bondi sur le ballon. Ce fut... Ah, ce fut bon. Ah, il y a une 16 qui est rentrée. Une touche australienne, en tout cas. Il va encore, lui. Putain. Ouais, on est tous concentrés dans ce... Oh, la table. Oui, il est là, il est là, il est encore là, lui. Mais cette fois-ci, il s'est isolé légèrement. Il aurait dû se retourner avant, peut-être. Galtouz. Oui, Galtouz, il faut la sortir. Il là, boum, boum, boum. Histoire, ça, c'est pas boum, 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 boum. Hein, c'est bim, 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 bim. C'est bam. Oh là là, le retour va être terrible. Il la prend pas. Là, là, mais il y a une faute, non? Ah, il y a une faute. Il y a une... Non, quoi, l'Australien n'a pas retenu le français. Ah, il me semble qu'il s'est passé quelque chose. Hein, vidéo. Il se serait effectivement passé quelque chose d'après Jacques. Est-ce que David Bory aurait été retenu par un fan? Oui, Jacques. Je vérifie. Vous êtes dans la forêt de... Oui, tout à côté de Marseille. Il y a un magnifique parc animalier. Je vous rappelle donc le score, hein, 14-6, bien sûr. Ah, ça va mieux. Ah, ils sont... Ici, c'est super. Je vous invite à venir après le match, vous ressourcer. Il reste combien de temps, là? Oh, la synchro du côté français, ça n'a pas été ça. Non, pas du tout, même. Et là, du côté australien, par contre, l'attaque est fulgurante. Ça va nous faire mal aux gencives. Jean-Louis enlève tout ce qu'il y a sur la pelouse, sinon on ne pourra pas jouer. Hein. Jean-Louis, avec Jin-Jin qui récupère la balle pour le France. Non. Oui, si. Elle est là, Galtouz. Allez. Galtouz, Michoko qui la donne. Il devrait redoubler parfois, Michoko. Stratocaster qui s'isole, mais qui peut la livrer. Galtouz, petit côté, on revient à l'intérieur. Bien joué. Il est passé. Samba Tutsu. Samba Tutsu. Sur le côté gauche, non. Trois qui soutient encore. Oh, lui, il s'est fait plongeade. Plus vite. Dans les 22 mètres avec Rouge-Gorge, il faut l'aider. Il faut. Non, surtout lui. Ouais, il l'a donné. Il l'a super bien fait. Il l'avait bien fait, dommage. Les Français ont perdu le ballon. Les Australiens plus pronds. Quelle partie, non, de non. Il va pas aller loin. Non. Tu ne bougeras pas de là. Superbe défense de l'équipe de France qui continue de les bloquer dans la merde de maître. Ils sont chiés. 14-6. Magnifiquement joué. Pour les Français. Ils ne cessent de résister. Ils résistent, ils attaquent, ils les mettent en danger. Regarde-le. Là. Allez, vas-y mon gars. Petit crochet, ouais. Magnifique. Bien senti, les gars. C'est très bien. Merci, Jean-Louis. Bon ralenti, bon retour direct. Jean-Louis, je sens que tu te ressaisis. Merci, c'est une touche d'homme. D'accord, Jean-Louis. Hein. C'est vrai que c'est le rugby, c'est un peu... Hein. Galtouz, il peut le prendre. Mais il faut pas le laisser seul. Ouais, yes, il y a du monde. Avec Charlemagne, qui c'est qui va livrer cette balle derrière? On y va. Ah, intervention de monsieur, j'ai du papier. En a-t-il vraiment, d'ailleurs? Oui, il considère qu'on a conservé la balle. Waouh! Combien il y a à jouer là? Oh, juste un pet. D'accord. Et regarde comme ils sont, ils se tiennent, hein, ils s'aiment, hein, ces joueurs français. Ils ont envie de le gagner. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. D'ailleurs, nous allons laisser tomber l'équipe de France de foot qui se fera éliminer en 8e de finale pendant la Coupe du Monde. On n'a plus rien, vraiment, parce qu'ils sont pitoyables. Par la Bolivie. On va se concentrer sur le rugby uniquement. Oui. Enfin, oui. En 2003, il y a une Coupe du Monde. Oh là là, c'est vrai. Oh là là. C'est une touche pendant ce temps-là pour les Australiens, Jacques. Oui, nous sommes dans les tarés de jeu. Et c'est bien. Ah oui, avec 8 points d'écart, on peut considérer effectivement c'est pas mal du tout. Une jolie performance de toute façon, quoi qu'il arrive. Ils ont marqué un essai à une équipe qui n'en prend que très rarement très peu. Et ils ont failli en planter d'autres. Michoko qui s'est fait légèrement bloquer, intervention, c'est un en avant. Et le ballon récupéré par l'équipe de France, Jacques. Mm-hmm. Ah oui. J'arrive. Vous rangez tout, Jacques. C'est pas fini. Non. C'est pas... J'arrive. Moi aussi.
14-8, non 14-6, pardon, 8 points d'écart exactement. Oui, il faut plus d'un essai donc transformer pour dépasser la France. C'est ce que je te disais tout à l'heure, et si on compte le nombre de pénalités un petit peu loupées par les joueurs français, il y en a 3 ou 2, ça fait quand même un écart assez conséquent. On a vu la porte de sortie. Et surtout l'armée. Attention, pas d'essai, pas d'armée, pas d'essai les gars, laissez-nous jouer. Oui c'est parti, Galtouz qui peut la donner, la delivery, il faut écarter maintenant le jeu le plus loin possible. Dans les bras. Bah ça rebondit, le kangourou. C'est bon. Kangourou. Jean-Louis, c'est quoi ce plan là? Tu te prends pour qui, Jean-Louis? On fait du zèle? Un peu. Avec le ballon australien, mais ils ont du mal à le sortir. Ils vont le faire avec Grigou. Il faut aller vite les gars maintenant. Comme le rouge, il faut aller plus vite que ça, messieurs les Australiens. Ah ouais. Vous pensiez peut-être voilà, à avoir une récupération française. Voilà, bon, on va aller en marquer un, tiens. Si, pourquoi pas. Faire. Allez, Jacques, tu l'as dit. Bon, Jacques le dit rarement, hein, quand il dit des choses comme ça, c'est qu'il le sent. Hein. Et pour la route, allez. Pour la route, je vous dis, ça vous fera aller bien. Mais non, on n'a pas les coups de pied, toi. Jin, il est venu distribuer. Ouais, ouais. Je sais pas trop. Oh là là là. Allez, dernière mêlée les gars, introduction australienne. Ultima melate, il faut dire, Jacques, quand vous dites bien les choses, ultima melate. Mécole. C'était Boutsen qui était venu la récupérer, ça joue, la France va gagner. La France va gagner. Ça va de mieux en mieux, c'est vrai. Ça te fait rien, pas plus que ça. C'était un bon match, mais c'est du rugby. L'armée attend votre ordre. Eh ben, cassez-vous. Merci. Ça suffit comme ordre. Ouais, on se pelote. Attention, l'équipe de France va-t-elle remporter cette partie? Nous sommes déjà dans les tarés de jeu depuis bien longtemps maintenant. C'est vrai, il y en eut pas mal. Et pénalité pour les Australiens, aïe, mais elle est lointaine. Ouais. Et ils ne peuvent se contenter... Bon. ...d'une pénalité transformée. Bon. Ils sont passés à côté. Bon. Ils sont perdus. Oui, ils sont perdus. Ils sont pas si passés à côté. On a gagné. Que ça, les Français ont bien joué, c'est vrai, bien résisté, bien défendu, bien attaqué. C'est vrai. C'est vrai, quelle défense, vrai, Jacques. Quelle magnifique défense. Ils n'ont pas pris l'essai. Il va y avoir du papier. Il va y avoir demain du papier. Ça va être dithyrambique. Ça va être la défense du journaliste. Là, vous pouvez y aller. Le lendemain, l'équipe, ils étaient. Ils sortaient pas. Oui. Alors que là, on a deux doigts de la fin. Deux doigts, hein, mais ils sont juste à côté, donc c'est plus grand chose. Deux doigts, coupe bourgeois. Quand il veut se gratter le nez, il se lâche. Remarque, c'est facile, hein, direct, quoi. Attention, touche, ne plaisantez plus. S'il vous plaît, c'est sérieux, c'est très 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 sérieux. Ouais. Les Australiens ont-ils la balle? Jean-Louis, plan, Jean-Louis. Plan, défense française, ils vont se faire devoir de ne pas prendre un essai. Ne pas encaisser l'essai avant la fin de la partie. L'arbitre n'intervient pas, monsieur, j'ai du papier, c'est Grigou qui peut la sortir. Suspense, total. Il faut les pousser en tout. Ouais, c'est fait. Je crois que c'est terminé. Non. Non. Et non, ça n'est pas fini. C'est une touche. Lancez français. Oui, c'est français, c'est fini. Non, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? J'ai du papier. Tant qu'il lui en reste, de toute façon, il roule. Ouais. Oh, super. Il va voir quelqu'un. Il va voir monsieur. Où il va? Monsieur, j'ai du papier. Ah, qu'est-ce qu'il a vu? Du papier. Ah. Il va récupérer. Il y a un joueur français qui se sent pas bien. Ouais. Monsieur, monsieur, j'ai du papier, il en a, mais dans la poche. Tout va bien. Les Français sont quasiment là qualifiés. Ils sont gagnés, ils sont champions du monde. Champions du monde de rugby. Ce qui dans le sud-ouest aura une dimension, Jacques. Ah ouais, de retomber. Une résonance terrible. Tout le Gers, ça va rayonner dans Lot-et-Garonne, le côté de l'Aveyron, partout, ça va être super. C'est dégagé. Il est fini, c'est terminé. Et non. L'arbitre adore ce match. Et vous avec. D'ailleurs, il donne même une petite pénalité au tricolore, je crois, histoire d'achever le tout sur une note sympathique. Oui, symbolique. Pénalité pour les Français, dégagement. Je crois que cette fois-ci, on peut tout arrêter, les gars. Ouais, parce que ça suffit. C'est tu m'as sifflé, bordel, monsieur. T'as du papier encore? It's over. Oh. Touche, mais il a fait jouer, ce pauvre de con. Même les joueurs se demandent ce qui se passe. Attention, touche pour l'équipe de France. Et pourquoi pas une dernière action magnifique, sublime. Merde. Jolie touche australienne. Oui, belle action, magnifique, sublime, elle est là. Elle est là, la belle action, magnifique, sublime. Non. Galvantione, de la chance. Gros. Aïe. Catastrophe.
les ordonne tous. Apparemment, les Australiens sont contenus. Ils savent qu'ils ont perdu. C'est le bulldozer qui est allé... comme un taré de fou. Un peu de chance et ils marquent face à l'équipe de France. Attends, ils ont quand même récupéré la balle sur un lancer français. Donc une faute de concentration. On se pensait gagner. Et là, heureusement qu'il y a un coup de shoot. Voilà, quand même. Ouf, le carambolage est terrible. Australian goal. Le carambolage est terrible. Ah, yeah. Il y a goal. Para Australia. Mais que la transformation est difficile. Et que la France est toujours devant. Coucou. Allez. La pénalité va peut-être rentrer vers Jumbris Brock. C'est pas une pénalité, Jacques. Hein. C'est une transformation d'essai. Là, hein. Le tir au pied, oui. Alors, je tiens à le préciser pour les néophytes qui nous suivent régulièrement. Oui. Affirmatif. Il s'est pas choisi un angle très sympathique, quand même. Ouais, non, je trouve pas du tout. Non. Ah, monsieur, ne sifflez pas derrière, alors il lui siffle à la gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un mec moyen, quoi. Ah oui, mais regarde. Ça rentre. La France va gagner d'un point, à moins que l'arbitre considère qu'il y a 25 minutes. Non, c'est fini. Et voilà. Équipe de France, deux victoires de suite d'affilée. Se sont enfilés les Blacks. Les Wallabies. Ouais. Alors, là, France-Fidji, quoi. On ne sera pas là, hein. Oui, c'est vrai que je dois partir. C'est sûr ? J'en sais rien, c'est... Dis donc, il y a un match mercredi ? Il paraît qu'il y a un match mercredi. Oui, il y a un truc, je crois que c'est un truc comme Lyon-Bayern ou Alfred de Musset contre Chateaubriand. T'es sûr de ça, non, toi ? Non, pas du tout. Non, c'est quoi, alors ? Il y a un match, vous savez, vous êtes au courant, vous ? Peut-être, vous n'êtes pas trop au courant, vous. Vous savez, le football, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais vous avez peut-être des tuyaux, vous, au match de foot le mercredi prochain. Alors parce que j'en sais que la coupe d'Europe ça reprend. Alors normalement les matchs le mardi parce qu'il y a l'équipe de Nantes c'est le mardi. Mais alors mercredi qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont dans la merde. Alors je sais pas s'ils vont diffuser un match ou s'ils vont pas diffuser un match parce que c'est un match de merde qu'ils vont diffuser. Ils ont pas l'équipe française parce que c'est le mardi. Parce qu'avec leur connerie de faire des journées le mardi et le mercredi on s'y perd. On sait plus quelle chaîne regarder, voilà. Ouais, on croit beaucoup au rugby ici et vous pensez que le foot ça nous fait du tort. Alors la tartiflette c'est simple, hein. vous foutez de bonnes pâtes au fond, hein. vous mélangez bien, vous. Surtout l'important c'est des minces très très petits, voilà. Et ça c'est la tartiflette, c'est la recette à grand-mère. Je peux vous dire que quand on a mouvement en famille, on s'éclate à la tartiflette. On n'a pas fait pour dire bonjour à tonton. Ouais, moi aussi. Écoutez, soirée rugby, soirée sympathique, on a gagné. Yes, here we are champions of the world.